Pour qu'on y a là, ça fait lui, pour qu'on semble avec exemple ça, c'est parce que lui pas un CSS en dedans. Bon, les nous garder dans page source, hein, n'a pas que là, n'a pas que là, là, mais CSS, mais CSS, hein, n'a pas que lire les bootstrap min. That CSS, ça dit c'est lui qui CSS. Et non seulement on apprend CSS là, et on apprend tout JavaScript qui là dedans. Parce que depuis où est tag script, ça veut dire que c'est JavaScript qui là dedans. Bon, premièrement, avant nous prendre CSS avec JavaScript là, nous pourrons parler où de Django Static File. Sans perdre du temps, n'a pas entré la donne. Ensuite, n'a pas cherché qui Django static file. Ça veut dire fichier qui statique. Ça veut dire qui peut changer. Ok, n'a pas changé l'anglais en français. Ok, bon. Kounya la, dit nous que Kounya la, parle nous de gestion des fichiers statiques. Ok. Lorsqu'on fait un projet, ou du moins un blog, il y a une image, il y a un CSS, il y a un JavaScript. Mais, fichier ça, il y a statique, ça veut dire qu'il n'y a pas de changer. Qui donc, faut qu'on mette un côté qui a pas pour être capable de rester statique. Ça veut dire pour le et website là, uploading, pour pas besoin et reloading à chaque fois. Ça veut dire que yo static a dit ap tout là. OK. Pour servir à static file là, faut que li gen un static URL. Et nous gen déjà qui c'est dans configuration projet. On font garder. Là on aller dans configuration projet qui était dans settings. Ensuite, nous voyons que li gen un static URL. Mais nous pas qu'à arrêter là seulement. Ça nous prend le fait. Nous allons créer un fiche, nous allons créer un dossier qui est le statique. Mais pour qui ça n'a fait ça? N'a fait ça pour nous prendre CSS ça avec JavaScript ça, ensuite pour nous mettre en dans un dossier qui c'est statique qui permet et fiche ça était statique était sans ça dit au pas changer. OK. Pour nous faire ça, on va aller dans blog, dans dossier et blog, c'est-à-dire dans racine projet. Hein. Ensuite, on va créer un dossier qui est statique. Ensuite, bon, pour qu'on ait là, il est en forme. Qu'on a ça à faire, nous allons réserver trois dossiers en dans dossier statique là. Il y a une qui pour CSS, il y a une qui pour JavaScript et il y a une qui pour image. OK, on nous fait ça qu'on y a là. New et un nouveau dossier. Ensuite, nous le CSS. On a fait un autre dossier encore qui le JavaScript, on a juste dit JS. Ensuite, il y a un dossier pour image. OK. Quand y a là ça n'a fait, nous pour aller prendre CSS qui était dans CSS qui était n'a pas CSS qui dans exemplaire ça qui c'est là côté n'a pas aller dans n'a pas aller dans link. Ensuite ça c'est CSS là. OK, n'a pas entrer dans CSS là dans link là. Ensuite nous on font garder li main longueur. OK, ça l'a fait. N'a sauvegardé file. Hein? Ensuite, n'a fait pour Windows c'est Ctrl S, ensuite pour Mac c'est Command S. Bon, m'a fait Command S. OK. Kounya moi parle download li dans folder et technologie là kay. Qui c'est d'ailleurs. OK. C'était dans desktop, ensuite blog, ensuite dans static file, ensuite dans CSS.
OK, là, moi save li. OK, kounya nou va fè de même pour au JavaScript file. Bon, efface. OK. Pour JavaScript file, hein, li juste nan en bas footer. Hein? OK, qui c'est de pour tag c'est script qui donc c'est JavaScript file. Ensuite, bon pour là, li gen deux JavaScript file, une qui là, ensuite une qui là. Bon, on a fait de même, n'a pas entré dans link là. Ensuite, nous sauvegarder. Bon, pour ça lui même. OK, n'a sauvegarder, c'est mes deux mêmes desktop, blog, ensuite static, mais n'a sauvegarder dans JS dossier JS. OK, nous save li. OK, on a nous va prendre deuxième JavaScript file. Hein? OK. N'a pas sauvegardé, n'a pas fait même pas là. Yeah, c'est dans directory ça. OK, n'a juste save li. OK. N'a pas gardé pour ainsi tout bagarre en forme. Ouais, c'était deux JavaScript files. Ensuite. OK. Bon, kounya là, on a pour retourner jusqu'à présent, nous pour l'hypoko ka marché. OK. Kounya ça n'a fait kounya. Nous pour aller dans OK, on faut aller dans documentation. Dans documentation, ça nous gagne URL déjà. Mais faut nous mettre et static file directory. Hein. OK. Sous ou capable li et ou capable li là pour capable comprendre plus. OK, ça m'a fait m'a copier ensuite coller. Ensuite mettre dans configuration file. OK, nous pas besoin URL ça. OK, me save li. Ensuite, gain static URL mais faut qu'on gain static root. Bon pour static root là, m'a juste taper. Ensuite, tout à l'heure comme ça je suis pas ben nous plus information de static root là avec static URL. Hein? OK, just me key information ka ban nou de static root là. OK, static URL là li même. Li c'est li même qui prend static file que ou gen nan folder qui est le static yo et puis li fait ou capable entrer nan website là. Ça veut dire l'utiliser website là. Kounya la nan computer la nan laptop ou wap ka jwenn yo. Men tan kou si wap publie website la pou tout moun ka wèl, wap mete nan development, ou oblije gen static root la. Paske static root la li menm ka pran static file yo, li mete yo an kote pou lè lan development, lè website ou an development, tout moun ka li ka gen akse avèk static file. OK, bon, juste minou dou. Merci pour clarification ça. Ensuite, n'a continuer. Et kounya n'a regardé là CSS là li gen fichier là-dedans et JS JavaScript là gen fichier là-dedans, mais imagine nous ka quitter le vide jusqu'à présent. J'ai besoin nous ka quitter le vide. OK. Bon, kounya là nous va aller dans URL. Nous va aller faut ça si faut static file là gagnon. Et un URL avant fonda pas importer settings avec static konya nous va définir URL patterns hein? Qui ça fait lui même li prend static URL que on gagne dans setting non et puis prend static root que on gagne dans setting non li metel an dan URL yo pou ka available pou ka valid nan development
lò mette website la nan develop. Ok. Bon, konya la, nou pal gade pou mwen si exemple la mache nan, nan development server pa nou. Ok. Bon, nou pal gade. Ok, nap refresh li. Ok, li poko an form. Li poko an form, sak fe sa, se paske nou poko mete yo tag. Tag lan, tag sa li menm. Ok. Tag sa li menm li la pou load static file. Sa di, de pou kon static file nan PHTML sa, de pou mete tag sa, load static, automatikman, la load tout static file ke ou gen. Ensuite li parete la toujou. Kona ou prale nan CSS, ou prale nan CSS file yo. Kom li son static file, paske tout static file nan Django, debi se image, ok, tout sa si fan nan Django, depi se image ou du mwen CSS, sa e di fok ou premièman ou load static, menm jan te fèl talè la. Ensuite pou kapab load image sa, ou du mwen yon CSS, fok ou mete pattern sa, sa e di fok ou mete tag sa. Ok, map jis kopye l, kole l, ensuite mete la. Men pou sa li menm, li nan, ok, static sa, li an meni li la, file sa li la, ensuite, dosye an se CSS, sa ve di, la, my app, la, CSS, ensuite, nan pren bootstrap, ok, li te tou la, ok, bam jis kopil, kolil, kat li, ensuite, mete l, mwen remplase la. Ok, ensuite ou efase sa. Di pa rete seulement la, fòk ou fè sa pou lòt, pou JavaScript file yo tout. Sa ve di, bon, jis kopye l. Ok, nou val nan JavaScript file nan. Ok. Bon, mette la. Ensuite, nan mette, kom li nan folder, kom li nan dosye JS, sa di sa ap JS. Ensuite, nan folder, se, li komanse pa jQuery, donk, ki donk, nan pran jQuery la. Ensuite, nan mette jQuery yon la. Ensuite, nan pe fase res. Ok. Konya, nan fè de menm pou lot JavaScript fichye. Ok. Non, li se bootstrap bundle min.js ki don nan jis pren. Ensuite, nan pe fasi res. Ok, koun nan aval verifiye si tout bagay an form. Jan nou te di la. Ok, koun nan ap refresh li. Ok, bon koun nan la, nou genyen exemple sa nan development server pa nou. Sa vle di, nou komanse an form pou nou avanse avèk blog.